Rebonsoir à toutes et à tous. Alors, comment on tourne ici? On est à 96%. Je pense qu'on va pouvoir. On va déjà pouvoir commencer à récolter tout ça. Pas trop traîner, c'est pas la peine. Et ben, dites donc, il va y avoir du job. Alors, on va un petit peu modifier notre travail parce que j'avais d'équerre que j'avais mis à faire. Si vous vous rappelez bien, je lui faisais faire de ça, de la drogue. Et donc, on va modifier ça parce qu'on va mettre à l'eau qui va nous faire de la drogue. Pourquoi je veux qu'il fasse de la drogue et pas d'équerre? C'est tout simplement. Parce que Allo ne peut pas récolter, ne peut pas être fermier. Et donc, autant que ça soit Allo qui me fasse ça. Parfait. Comme ça, Decker, lui, il peut planter. Et ça m'intéresse un petit peu plus. Par contre, Jean le Chauve, lui, il va me faire ça. Il va me virer un petit peu tout ça. Pour qu'on récupère un petit peu plus, parce que là on n'est plus qu'assez impressionnante, on pourrait monter un petit peu plus haut. Ça m'intéresserait bien. Donc, Jean, mais je crois que je t'ai déjà mis en deux, hein, Jean le Chauve. Ouais, transport est en deux. T'as quand même fermier qui est ici, mais ok. Donc là, ça devrait pas être trop mal. Je pense qu'on peut démarrer avec ça. Donc ceux-là, il voudrait bien qu'on aille leur dire bonjour. Ça me fait toujours rêver, j'adore ça. Le pire, Slan a une épée mononucléaire. Monomoléculaire. Comme celle-là. C'est énorme les dégâts que ça fait. C'est génial, moi je la voudrais bien. Visez-moi ça, les points que ça fait. 13,06, 84 de pénétration d'armure. Bon. Et moi j'ai un petit bidule de rien du tout, j'ai les 7,02, donc c'est moitié moins et un quart moins de pénétration d'armure, donc voilà. Ne rêvons pas, on l'a dans le baba pour le moment avec ça. En tout cas, c'était un beau truc qu'il a réussi à avoir, comme ça c'est bien. Ok, ben on peut avancer un petit peu plus vite alors. Alors je voulais faire un truc. On va le faire d'ailleurs, je vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Ah bah oui, c'est parce que je suis occupé de. Bon, on est encore occupé pour le moment avec tout ça, donc il y a tellement de boulot qu'on changera ça après. Allez, messieurs, on s'éveille, il est l'heure d'aller travailler. Chauve, Grizzly, t'en es où toi? Ah ouais, t'as pas. Je t'avais laissé pas dormir, mais avant, quoi, qu'est-ce qui s'était passé? Hein? Allez les petits gars, on travaille. C'est l'heure de récolter. Ne nous faites pas le coup de la cigale, hein, qui va danser tout l'été. Profitez de l'hiver, les enfants. Ici, c'est en hiver qu'on récolte, qu'on travaille. En été, on dort, on fait la sieste. Comme au Mexique. Comme dans les pays chauds. Vache est totalement guéri. Waouh, excellent ça. Bon, qui est-ce qu'a le moins? C'est Decker. Parce que Decker, il est mal branché. Donc, Decker, il va changer de pneu. On va maintenant mettre ici vache. On va affecter là. Decker, tu manges un morceau. Et puis, à mon avis, comme tu es réveillé maintenant. Le prochain coup que tu vas devoir te soigner, c'est dans combien de temps? C'est dans. Un jour 4, c'est dans 0,4 heures. Ben voilà, c'est parfait. C'est parfait, tu vas aller te soigner et notre ami Libellule, elle va venir. Voilà, c'est parti. Becker, hop, viens là, mon petit gars. Et Libellule, tu vas où, ma grande? Tu vas là-bas. Qu'est-ce que tu pourrais me faire de beau? Tu vas semer la zone. Non, tu vas rester un petit peu à regarder les plantes qui se trouvent là. Ouais. Regarde comme elles sont jolies. T'as vu? Hop. Puis maintenant, tu viens jusqu'ici. Voilà. Comme une grande. Hop. Et
puis tu stops, et puis tu voilà, alors tu sais ce que tu fais. Ça, Decker aussi va pouvoir. Hop! Combien tu m'as fait? 7% 6. Oui, c'était pas elle que j'aurais dû mettre, c'était vache que j'aurais dû dire. Bon, là, c'est de nouveau Decker. Alors là, tu me l'as super bien réparé, quoi. Enfoiré, quoi. 7.6. Le problème, c'est qu'il bouffe deux fois plus, hein, cet enfoiré-là, à cause de ça. Hein. Bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est bien, ça. Mais le pauvre garçon, il a mal, là, hein. Il a mal, colombané, hein, et deux jours deux encore. Bon, ça va aller, ça. Hein. Allez, on travaille les petits enfants. Visez-moi un peu toute cette bonne nourriture qui arrive. Et ceux-là, ils se promènent, ouais. Ah, libellule. Alors là, libellule, je veux bien que tu fasses ça, mais alors on va d'abord mettre ceci. Tu vois, ma biche. Comme ça, tu verras plus clair. Et normalement, là, c'est parce que j'avais un... Hein, vous pouvez me faire tout ça. Mais, comment vais-je dire, moi? Peut-être qu'on ferait bien de... Ah ouais, on a déjà fait tout le boulot. Ah non, il y a encore tout ça là-bas au-dessus, encore. Hein. Et puis encore ici. Et puis encore tout ça. Et ça, c'est pour vache et l'autre. Donc, ah ben, Libellule va déjà me faire ça. Ok. Enfin, regarde, c'est pas plus beau comme ça, c'est pas plus rapide en plus. Hein. Bah bien oui, hein. Bah bien sûr. Hein. Alors, t'as raté ton coup, bah oui, le pauvre vieux là, il a un poil toujours avec 42%. Il est tout nu. On va peut-être l'aider un petit peu, non? Ado, tu me finis ça, c'est bien. 7. Oh, il y a presque plus de. Ça va être fini ça. Donc, avec 7, il m'en faut 16. Donc, si je comprends bien, vérifions ici, il nous reste 35 joints, on va un petit peu patienter, et 7 herbes. Donc, 7 herbes, je peux maintenant faire, ajouter une tâche, fabriquer un joint, qui me demande combien, 4 feuilles de smoke leaf, ouais, on va te mettre en boucle. Voilà, de nouveau, c'est le même petit monsieur. Allô. Voilà. Et on ferme. Parfait. Bien. Comme ça, tu me finis ce qui reste là. Et j'ai vu que j'en avais une ici. Tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai fait pousser ce truc-là. 40%. Ouais, on n'y arrivera jamais. Je crois que je vais... détruire. Ah ben non, on va... oui, de toute façon, on ne pourrira pas, mais si je la sors, elle va pourrir de toute façon. Donc on va le virer, ce truc, dès que l'autre a fini avec. Hein. Voilà, tac. Il n'en reste plus que 3. Hein. Je ne sais pas lire, non, malheureusement. J'ai vraiment du mal à lire. Bah, c'est pas trop mal, tout ça. On va demander à Ado, tu me fais quoi maintenant? Tu mines ardoise. Je vais plutôt te demander, mon petit ami, ouais, je sais bien que tu aimes bien faire ça, hein, mais j'ai quand même besoin d'abord que tu me nettoies un petit peu toute la maison ici, Ado, parce que c'est tellement crade, mon ami, c'est tellement crade ici. Voilà, on va te mettre en deux, ce qui va te permettre de nettoyer toute ma maison. Voilà, nettoie. T'as vraiment besoin de nettoyer, tu vois. Regarde comme ça va vite et que tu fais ça bien, mec. Ah, t'es génial. Regardez-moi ça comme c'est bien. Eh bien, on est quel jour là? On a 14 animaux affamés. Oui, mais bien sûr. J'en ai rien à cirer. Est-ce que j'ai modifié mes zones pour un petit peu nettoyer tout ce qui traîne? Ouais, ouais, ouais. On va un petit peu nettoyer tout ça ici aussi. Ouais, tout ce qui traîne là. Le truc de sang, hein, qui là, dans ce coin-là, c'est pas beau.
Et également toute cette région-ci, on va la nettoyer aussi. Enfin, on va la mettre en zone. Et puis je vais mettre en zone tout ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on a ici, normalement, si je ne me trompe pas, on a un ch'tibidule. On a un ch'tibidule comme ça. Et donc, autant qu'il fasse un petit peu plus propre pour que les gens se sentent mieux à côté. Alors, là, est-ce qu'on a également, j'ai pas fait attention, étant de la zone de la base, ben voilà, on n'a pas nettoyé non plus ici. Donc, ça, on en a besoin. Ok. Le reste, ça me semble pas mal du tout, je dirais. Voilà. Tu vas bien nettoyer tout ça. Et là-bas, non, c'est. Okay. Ça se termine, hein? Toute notre belle première récolte de l'année. Notre belle première récolte de l'année est terminée. Tu me fais quoi? Tu transportes des pommes de terre 34. Et donc, on va te demander de faire ça. Alors, tu n'as pas en transporter 61. Hop! 60, ouais, c'est bon quoi. Donc voilà, maintenant il va falloir faire repousser tout ça. Mais on a déjà une salle qui est très impressionnante. Ici qui est légèrement impressionnante, mais qui donne beaucoup parce que tu es tout seul dedans. Là, tu n'es que descendre, toi. T'es sale. Ah, c'est sale, d'accord. Ado, tu es parti nettoyer là-bas. Si tu reviens dans le coin, on a quelqu'un qui me passe ça. Ah, bah, Ado est là, hein, il est revenu. Hein. Viens me nettoyer un peu la pièce ici. Lui, il voudrait bien que ce soit un peu plus propre. Comme ça, on peut un peu mieux le récupérer. Un peu plus vite, autant en profiter. Hein. Voilà, et tu me dis que c'est encore sale. Ah, c'est encore sale. C'est encore sale. Alors, où est-ce que c'est sale? Vous voyez où c'est sale? Moi, je vois où c'est sale. C'est sale ici, mais on ne peut pas arriver, pas le nettoyer. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, on va nettoyer là, alors. Hein. Et puis maintenant, c'est parti nettoyer ici. Voilà, et maintenant, c'est propre. Établi de sculpture. Établi de sculpture en métal. Il est ici. On veut avec ça une chaise. Ici. Parfait. Ok, on a notre nouvelle recrue, Mister Dan. Alors, on va te faire tes restrictions. On va copier ça. On va le coller. Moi, je trouve que ça marche très bien tout ce qu'on fait là. Hein, vous ne trouvez pas, vous? Moi, je trouve que ça marche très bien. Nos personnes sont toujours en pleine forme. On revient à zéro. Donne. Donne, donne. Donne. Voilà. Alors, médecin. T'es pas médecin, toi. Donc, nourrir les animaux, ça tu peux faire. Ça, tu peux pas faire, bien entendu. 2 et 1. Et 2. Repos 3. 2. Alors, ici, activer l'interrupteur. Oui, alors, ceci, c'est quoi? 9 sur 20. Bah, t'es bon. On va te laisser un petit truc 3 partout aussi. Ok, on reste là. Ensuite. Dressage 4. Dressage, on va t'enlever ça. Voilà.
Donc toi, tu avais 8 et toi, tu avais 15. Ok, c'est bon. Ensuite, nous avons la cuisine. Tu n'en feras pas. Alors, après la cuisine, nous avons chasseur. Dan, je ne sais plus ce que tu avais, mais on verra bien. Ensuite, constructeur, 4 sur 20. Donc tu es comme tous les autres, tu repasses à 0 ici, à 0 ici. Voilà. Ensuite, tu es fermier. Ouais, mais pas terrible. Là, mineur, tu ne peux pas miner. Alors, forestier. Voilà, ça s'est passé à 8 maintenant, je crois que c'est bon. Les autres, on va leur dire, Niette, va aller vous faire voir. Pas question qu'on fasse ça pour vous. Voilà, pour rester en arrière. Forgeron. Pour Dan. Forgeron 4. Ok. Non. Oui. Taille de pierre, oui. Faire fond, oui. Ensuite, on avance. Dan, ben c'est toi qui vas t'occuper de nettoyer ici avec. Ouais. Ouais, ben ça devrait se faire tout seul. Tu ne sais pas faire grand-chose d'autre, hein, de toute façon, mon pauvre gars. Ok. Grizzly est parti me faire quoi là? Tu me fais quoi? Tu me fais la chaise, toi. Hein? Donc Grizzly vient plutôt me faire ça. Voilà. Et Libellule, oui, tu ma biche. Tu remplaces un composant sur où ça? Sur où est-ce que tu remplaces un composant? Sur la batterie. Oui, ah ben tu dors en main. Oui, ah ben après tu viendras me finir la chaise alors. Ok. Pas de problème, ma belle. Vas-y. Fais-moi ça. Ok. D'ailleurs, ça, on va le réinstaller ici. Voilà. Ça vaut mieux comme ça. Ok. Vêtements en lambeaux, on s'en fout. Donc, Dan, t'as fini. Où en est-on dans la bouffe? Pourquoi est-ce que j'ai pas plus de bouffe là-dedans? Ok. Donc, ici, je vais diminuer la priorité. Elle est en normal. Ici, elle est en, dire haute, et on voudrait d'abord que tu me remplisses de d'aliments crus. Je voudrais d'abord, comme végétaux, on va dire, on va pas mettre le riz pour le moment, puisque le riz est quand même moins intéressant. C'est les patates surtout qu'on veut qui aillent là-bas, qu'elles ne tiennent que 30 jours. Voilà. Allez. Parfait, nous voici avec une bonne chaise, c'est dommage. Et nous en voulons encore une ici, s'il te plaît, mademoiselle. Alors, oui, de nouveau, on se retrouve avec ça. Alors, ça c'est pour qui? Ben, ça va être pour Dan, je suppose. Hein. Besoin, qu'est-ce que tu as? Tu as très chaud, tu es dans le noir, tu as mangé. Ça, c'est pas important et c'est pas important. C'est Becker qui était important. Ensuite, nous avons Dan ou Ado. Ado, Colombani.
et tu souffres. Non, n'y souffre pas. Ok, donc ici se met pour allô. Voilà, allô. C'est pour toi, mec. Ça, c'est pour dame. Parfait. Maintenant, nous avons ceci. Alors, comme j'ai un établi de sculpture, je vais pouvoir faire des petites sculptures entièrement en bloc de pierre. N'importe quel bloc de pierre. Et je veux que ce soit le chauve qui me fasse ça. Et je veux que tu me laisses ça au sol, mon petit. Voilà, le chauve. Travaille le chauve. Art. Fermier 2, art 3. Transport 3. Voilà. Ça devrait se faire correctement. Pour le moment, la recherche, je n'en ai pas vraiment le besoin. Tactique de recrutement, le chauve. Prochain prisonnier à qui il parlera, peu importe la difficulté du recrutement. Eh bien, ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas eu de... d'inspiration. Oh, regardez-moi tout ça. Yes! Allez, les amourettes, ça pêche. Hein. Les petits enfants, il faut... Hein, faut vous y mettre, mademoiselle. Avec qui vous allez vous y mettre, vous? Hein, donc t'as pas voulu du petit jeune là, hein? Lui il a 24, 32 pour vache, Dan 25, Decker 30. Ouais, hein? T'es mal barré, hein, ma belle, si tu réagis pas maintenant. Je peux te mettre un dé esthétique, hein, si tu veux faire un truc dans le genre. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est dans nos statistiques? 41 000. Bon, on va commencer à avoir quelques petits pépins. Bon, humeur des colons, on va pas se plaindre. Pour le moment, ça a un peu descendu à cause des nouveaux, mais... J'ai besoin que madame me fasse des... On va ajouter une tâche. On va faire quelques casques. Basique, on va s'en faire trois, histoire de d'augmenter un petit peu l'artisanat de Libellule. Ouais, tu vas m'en faire trois, mademoiselle. Je peux pas faire autre chose parce qu'il me faudrait du plastacier que je n'ai pas. J'ai pas de plastacier, donc je peux pas faire grand chose d'autre. Tu vas me faire quelques casques et après on fera autre chose. On va voir. Ça c'est de l'excellent, ok, c'est bon pour moi. Ça c'est bon, malheureusement, c'est pas excellent non plus. Donc vous êtes pas trop mal. On va finir ça, hein, à nos 13. Il se passe rien pour l'instant. On va attendre que le petit jeune meure là. Et puis petit à petit, on va. Je vais essayer de tirer le maximum des arbres. Hein. C'est. Faut tellement de temps. Enfin, tu vas me dire, c'est pas si long que ça. Hein. C'est jamais que 10 jours, hein, normalement. Normalement. Si on est à du 100%. Malheureusement, ils ne vont jamais. Ils ne montent pas à 100%. Je sais pas combien ils sont d'ailleurs. Pour une manière pas trop mal déjà. Jean, tu... Ouais. Ouais, bah quelqu'un d'autre s'en occupera alors, hein, ça va. Par exemple, allô, hein. T'as nettoyé une saleté et puis tu portes ça, hein. Voilà, mec. Bien. Puis tu reviens à prendre ça. Voilà. Alors aussi comme ça. Voilà. Grise d'ici, mais tout le monde. Libellule, non. Libellule, non.
Alors, libellule, on va activer ceci pour toi. Et puis, ça sera pour toi après. Ok, tac, tac, libellule, hop. Alors, libellule, tu vas me faire donc un établi de forgeron électrique. Alors, on va changer libellule. Ton travail qui passe de forgeron est en 3. Et donc, on va te le passer en 2. Voilà, mon petit. Et voilà. Parfait. Fais-moi quelques... On va pas dire des chapeaux, mais... Bon, ça, c'est pour le moment... c'est provisoire, hein, toujours. Bon, je reste là. Pourquoi? Parce que ça me donne quand même... j'ai un minimum, vous voyez. J'ai 2.3. Ici j'ai combien? J'ai 2.5. Ça veut dire que cette personne ici, Jean, il reçoit un bonus de beauté. Vous voyez, il est à 66. Mais ça va monter un petit peu plus. Et donc à 2.5, si je me rappelle bien, il va prendre plus 5 grâce à ça. Il devrait se prendre un plus 5. Bon, pour environnement plaisant, voilà. Il va même prendre peut-être plus, peut-être monter à plus 10. Non. C'est plus 5. Et normalement, elle, c'est la même chose. Elle a plus 5 aussi, grâce à environnement plaisant. Grâce à ceci, hein, je veux dire. En gros, c'est ça. Vous voyez que partout ailleurs, il n'y a presque pas de points. Hein. C'est... Oui, chaise à 18, vous voyez, 11. Mais bon, ça, c'est 17 points quand même. Hein, et un bon paquet. Ça valait vraiment la peine de le faire. Ok. Donc, on enlève tout ça. Donc, on laisse tout le monde travailler à son aise. Hein. D'ailleurs, ça se passe très bien. Tu m'as fait un casque. J'ai vu que tu avais fait un casque. Je ne sais pas où tu l'as mis déjà. Par contre, je ne veux pas que mes gens les mettent. Pour le moment, je ne veux pas qu'ils les mettent. Je ne sais pas où tu l'as mis d'ailleurs, le casque. D'ailleurs, on va, je pense. Une belle panne. On va voir ça. Là, il y a un chapeau. Je crois qu'il y a un petit con qui... Ah ben voilà, c'est déjà Vache qui l'a mise. Alors, on a un médiocre ici. Ben, Vache, tu vas me mettre plutôt ça, hein, Vache. Vache. Une fois que tu as fini ton petit bidule, voilà, tu vas me porter ça, ma belle. Hein. Et Dame, lui, il est de la mêlée. Lui, il va se mettre un casque, lui, sur la tête. Donc tu vas d'abord prendre ça sur la tête, voilà, hop, et puis tu fais ce que tu veux. Et je crois qu'il y a déjà un deuxième casque de feu, non, pas encore. Ouais, ah ben oui, c'était elle. Et celui-là, il est bon, waouh. Je pense qu'on va commencer à se faire quelques petits pièges. Quelques petits pièges, ça va pas faire de tort, je pense. On va faire ça comme ça, c'est pas dégueu, c'est pas mal, je veux dire plutôt. Et on le coupe ici. Voilà. Là, je pense que c'est. Ils vont y aller assez vite. Hop, au dodo, tout le monde au dodo. Eh bien, voilà, c'est parti. Elle était déjà occupée. Un excellent mec. Eh bien, tu passes par une porte, tu rentres par l'autre, quoi. C'était une excellente initiative, mon petit. C'était une excellente initiative. Donc, tu étais me casser le mur juste pour permettre à quelqu'un de venir m'embêter, quoi. Hein. C'est bien ça. Couper notre arbre. Ok. Couper l'arbre. Alors, c'est toi qui vas le faire dès que tu te lèves. Ensuite, on fera ici. Autoriser. On va le laisser là, il est très bien là, les tapis de boucher.
Bon, je sais pas trop quand même, mais. Si je bute là, et puis c'est bon, quoi. De toute façon, on le déplacera après. On le déplacera après. Qui est-ce qui est parti? Libellule. Ok, ça c'est bien. Bon, ils sont pas encore, ils sont pas encore tombés dans les vapes, donc il n'y a pas de problème. Hein. Je vais juste voir mon ami Grizzly qui va me couper ça, qui va me mettre 14 bois. Bien. Tu veux manger de la pâte, mais tu vas d'abord faire ça, mon ami. Et voilà enfin notre truc de boucher. Et notre première statue va bientôt sortir. Hop là, look at this. Normal, on s'en serait douté. 55 d'esthétique. Alors, où est-ce qu'on va positionner ça? On va mettre ça à côté de tous nos bidules qui sont là. De tout ça. En premier lieu. Donc, installé. On va mettre ça où? On va mettre ça. Là, il sera très bien. Parfait. Voilà. Ok. Ensuite, ici, je vais demander. Ah, il me faut. Non, une chaise là. Je pense pas que ça vaille la peine. Tu vas me faire un méga rainier, mec. On va commencer avec ça. Je veux un méga rainier. Ensuite, je voudrais faire. Pic. Ajouter une tâche. Alors, soit je peux faire de la croquette. Ah, il bouffe de la croquette. Maintenant, je ne sais pas s'il bouffe un plat raffiné. On va essayer. Un plat raffiné avec de la viande d'insecte. On va tester ça. Donc, on va lui demander ajouter une tâche. Je veux un plat raffiné. Mais, n'importe qui. D'ailleurs, je vais d'ailleurs mettre Allo, il fera ça très bien. Je veux que tu me mettes donc tout effacé et je veux uniquement de la viande d'insectes avec de la pomme de terre. On va regarder ce que ça nous donne. Ensuite, on ira déposer ça ici. On ira mettre ça ici. Donc on va faire une petite zone avec zone de stockage qu'on va mettre. J'ai le droit de la mettre là? Ouais, j'ai le droit de la mettre là. Donc, j'ai ma zone de stockage qu'on va nommer test. Raffiné dromadaire. Hein. Raffiné insecte. Puisque normalement raffiné est plus intéressant et plus rentable je me demande même si on ne peut pas faire du raffiné avec du foin. En fait, j'ai jamais fait attention à ça. Produit un énorme pareil du foin. Eh, ça aurait été génial. Donc on va tester ça et on verra bien s'il va surbouffer. On va en faire un et puis on verra. Voilà. Et bien sûr, ici je veux faire ajouter une tâche. Je veux dépecer une créature pour le moment et je veux que ce soit ici c'est Grizzly que je veux. Je veux le maximum. Et je ne veux tout effacer, et je ne veux pour le moment que tu me fasses que les insectes. Et là, n'importe quel insecte. Voilà, un cadavre. Tu me fais ça, la viande elle va arriver là-dedans, normalement. Stockage,
Aliments crus, viandes crues, elles y sont toutes. Ok. On va tester ça. On va voir ce que ça va nous donner. Hop. Je vais chercher ton petit méga araignée. Pendant ce temps-là, il y a Vache qui s'occupe du bidule. Qui fait repousser le truc. Hop. T'as pris avec toi la viande. T'as combien de viande, mec? Tu veux bien. T'as fini de dépecer, mais pas. Viande d'insecte. 108, donc t'as bien le maximum. Et ensuite, tu viens me. Tu me fais quoi là maintenant? Alors, non, tu vas pas miner, je voudrais que tu viennes ici maintenant. Donc déjà, ça, on va le démolir. Il sert plus à rien. Là, je vais pouvoir récupérer la chaise comme ça. Je voudrais que tu me prépares. Donc là, je ne t'ai pas mis ou quoi. Cuisiner un plat raffiné. Une fois. Oui. Je veux que ça soit avec de la viande crue, viande d'insecte et de la pomme de terre. Oui, allez, c'était à l'eau qui te faisait faire ça. D'accord. À l'eau, tu me faisais quoi? Tu nettoies une saleté là-bas. Et puis, tu viens ici. Ah, c'est en dessous de la compétence requise qui est 6. D'accord. Donc, on change. Tant pis. Cuisiner un plat à raffiner 6, ça va être pour donc notre ami Grizzly. Mon petit Grizzly, viens ici, s'il te plaît. On va tester ça. Jean, tu vas me refaire une deuxième petite statue. Voilà. Alors, tu viens de me faire le plat raffiné. Maintenant, j'ai oublié de dire que le plat raffiné, lui, il venait, le plat raffiné qu'on vient de faire, il devait normalement aller à raffiner insectes. Malheureusement, donc ici, je suis un petit peu idiot, parce que j'ai fait la moitié du travail seulement. Priorité importante, tout effacé, mais je veux un plat raffiné. Voilà. Je ne peux pas choisir le cadre, bien sûr. Donc, je veux que... qu'est-ce qui peut me faire ça, Vache? Tu me fais quoi? Tu tailles des blocs d'ardoise, tu viens me... Où est-ce qu'il est, mon truc raffiné, là? Où est-ce qu'il est, mon plat raffiné? Alors, c'est Grizzly qui l'a. Ok, tu vas... prioriser transport. Plouc, parfait. Et on va voir si mes petites bestioles là, elles vont bouffer. Stouk. Voilà, il bouffe. Il les bouffe. Donc, je peux aussi faire des plats simples. Si je fais des plats simples, on va tester un plat simple maintenant. Et cette fois-ci, ça va être notre ami... plat raffiné, donc ça c'est fait. On va faire un plat simple. Ouais. Et on va déjà dire que c'est à l'eau. On va l'envoyer. Non, il va le faire après. Donc on va tout effacer et on va juste prendre de la viande d'insecte. Voilà. Et il faudra après que tu... on va mettre ça. Et on va dire maintenant que tu vas me le mettre ici, dans cette zone-ci. Donc dans raffiner... Ouais, dans raffiner insectes. Cuisiner insectes. Hop, toc, raffiner insectes. Donc je suis obligé de dire que je suis dans raffiner insectes. On y arrive, hein. Plat raffiné, stockage, plat raffiné, plat simple, comme ça. Alors, maintenant, je peux de nouveau
venir ici et dire que je te pose un confiné insecte. Je crois qu'il y en a un qui est dans les vapes. Il y en a un qui mange le plat raffiné et l'autre il est dans les vapes. Donc je peux demander à Libellule, viens un petit peu. Ça c'est ce courrier. Il n'y a pas possibilité parce qu'il n'y a pas le bidule, mais je vais le bouffer de toute façon, lui. Hein. D'autres qui peuvent me bouffer, j'ai quand même pas mal de viande, hein, là. 108 de viande par animaux. J'en ai 460 pour le moment. Bon, on va peut-être les garder. On va peut-être les garder. En tout cas, on va les garder, aller jusqu'au moment où... Parce qu'en plus, ils me font du lait. Enfin, il y en a un qui me fait du lait. Donc, on va architecte zone. On va augmenter la zone abattoir qu'on va mettre comme ça. On va ajouter un mobilier, un box pour animaux. Voilà, on va positionner ici. Et on va les libellule. Et vache, tu fais quoi, vache? Tu es où, toi? Tu es la vache. Viens là, ma biche. Ce cru est le dromadaire. Bien entendu, les dromadaires, ils n'ont pas de médoc. Hein. Okay. Voilà, tu te mets là. Ok. Et tu vas manger pâte nutritive. Au moment où tu vas prendre ta page nutritive. Toi, tu es occupé de... Non, c'est trop tard. Donc déjà toi, tu vas maintenant me faire pas des masses médiévales, mais des masses simples. Tu vas me faire quelques masses simples. Quelques massues, voilà. Alors tes massues, tu vas me les faire en bloc de pierre. Voilà. Tu vas m'en faire 4 par exemple, c'est parfait. Et je veux que ça soit toujours toi, ma belle. Voilà. Donc, normalement, Libellule, là. Ok, c'est bon. Je veux que tu me fasses ici. Donc, nous avons cuisiné un plat simple avec de la viande, d'insectes. Et je veux que tu m'en fasses. Alors, répétez jusqu'à en avoir 2. Donc, je veux que tu m'en fasses 2. Et tu reprendras quand il n'y en aura plus. Voilà. Actuellement, posséder 1 de 2. Et on fait comme ça. À insecte et on ferme. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Ah, ici, est-ce qu'on est déjà occupé de me faire quelque chose? Pas encore. Alors, ici, il va falloir que j'augmente ma zone de restriction pour que tout le monde puisse y aller, pour l'instant. Donc, tous ceux qui peuvent travailler, c'est ici, c'est Grizzly, c'est Decker, Dan, et Allo, je crois. Et on peut mettre vache aussi. Par contre, le chauve, non, je crois pas que tu puisses faire. Oh, t'aurais pu. Non, t'es occupé. T'as autre chose à faire. Alors, il va falloir que je construise. Et ça, on va le faire ici. On va le faire ici. Architecte. On va faire sécurité. Piège en ardoise. Et on va les construire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On les construit là. Pourquoi on les construit là? C'est tout simple, parce qu'on peut les désinstaller et puis on n'aura plus qu'à aller les positionner. Plop, 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 plop.
Donc pas besoin finalement de... n'a pas vraiment le besoin de faire... de faire ça là-bas, dans le noir, dans la saleté, etc. Donc, autant le faire où on est à côté de nos pierres, voilà, partout où on a la possibilité de le faire. Peut-être que celui-ci n'est pas trop... ça, par contre, je vais aussi le déplacer. On va le remettre... où est-ce qu'on peut mettre ce truc? Il ne me sert plus à rien pour l'instant. Ah, on va le déplacer ici, tiens. Voilà. On va le mettre ici. Et comme ça, celui-ci, on va pouvoir aussi le déplacer. Ah ben, on aurait pu le mettre là. Donc toi, annulé, on va juste te désinstaller. Pour le moment, je n'en ai pas le besoin. Voilà. Voilà. Je pense que tout ça est pas trop mal du tout. Nous sommes toujours en très impressionnant. Donc ça, c'est magnifique. Légèrement, n'est plus incapable, dans la mer, n'est plus incapable de marcher. Ok, donc maintenant vous avez de quoi bouffer, les gars. C'est un petit peu sale maintenant ici. Ça tombe bien. Attends, justement, ce que je vais te faire, c'est que j'avais envie que tu me fasses. Oh, oui, non, c'est parce qu'on vient de déplacer. Non, tout ça. Hop. Alors, Libellule, regarde un petit peu ce qui est arrivé, ma jolie. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Donc, travail ici, on va mettre uniquement la petite Libellule en 1. Hop. Eh bien, il ne se passe rien hein, dans notre petit bidule aujourd'hui. Chasseur, ok. Libellule, avec une massue, hop, la cigale. Très important. Sans qu'elle ne revienne pas de nouveau sans rien. Elle ne laisse pas partir, hein? Ok, parfait. Nice. Ça c'est quoi ça? Mais non, ça c'est des belles, hein? Ok, ça va. De ce côté-ci, les gars, vous en êtes 91, ça va. Ici, 95. Ok, on a du bois. C'est magnifique. J'ai l'impression que je dois avoir une petite stature en plus, non? Alors, tout se passe bien, tout se passe bien. Ici 022, et donc on a dit que c'était à l'eau. À l'eau, tu en es où? Dans la cuisine, mon ami. Cuisiner à l'eau.
Tu fais d'abord dresseur, oui. 3 en repos, etc. 2 en médecin. Est-ce que tu as un autre 2? Oui, tu fais d'abord artisan. Oui, donc là tu repasses en 3, voilà. Et comme ça, et nettoyer ces 2. Oui, on peut laisser nettoyer 2. La cuisine n'est pas urgente à faire. Une bestiole là, ils sont tranquilles pendant un bon bout de temps avec ça. Vont-elles me donner du lait un de ces jours? 90%. Et l'autre? L'autre, c'est un mâle. Ok, les bébés sont partis. Donc là, on devrait avoir une massue en truc. Massue en ardoise. Voilà. Combien tu vaux, toi? Pas grand-chose. Ben non, tu vaux pas grand-chose, normalement. On va vous laisser finir ça d'abord. Et bien, tu me fais quoi? Non, tu plantes, ok. Oh, on est parti là. On est un peu la vitesse à laquelle il va faire ça. Oui, il est parti pendant un bon bout de temps avec Vache à nous mettre ça. Vache, tu as 8 aussi, je pense, hein, Vache. Je ne me trompe pas. Tu as 8, donc tu peux aussi planter les arbres. Bon, on va avoir un paquet de bois là, c'est bien. Je le veux dehors, le bois, mon petit, je veux pas de bois ici, moi. Parce que sinon, il n'y aura plus que ça. Produits manufacturés, non, c'est des ressources brutes. Je ne veux pas de bois. Non, non, je ne veux pas de bois. Sinon, ça va nous bloquer tout ce truc-là. Et ça avance. Hein. Ok, on a fini de faire la massue, donc. Produits gaspillés, qui est-ce qui est allé me faire? Ah ouais, d'accord, on va peut-être pas permettre. On va pas permettre les dressages, on va pas permettre de récupérer voilà, tondre et traire du lait. Alors là, 4 sur 20, on va t'enlever. Voilà. Toi, oui. Toi, non. Ben, même chose pour tondre. Hein. On va vous enlever. C'était une erreur. C'était, je sais pas qu'est-ce qui avait été, mais c'était une grosse erreur. Par contre, le reste, ça va. Ici, c'est du 15, et là, c'est du 3. Et donc, normalement, si on regarde bien Grizzly, animaux, lui, il a un rendement avec les animaux 100%, donc il n'y a pas de problème. Donc, ceux-là, ils peuvent rester. Par contre, j'ai fait une petite erreur. J'ai perdu 12 de lait. Bon, c'est pas. On n'est pas pauvre en nourriture, je veux dire. On est déjà à 1800 et il nous reste de l'année passée 800. Mais bon, 1800, nous sommes le 1er décembre. Donc il nous reste encore une vingtaine de jours de pousse et puis ça se termine. Une vingtaine de jours. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont d'abord récolter avant de faire pousser. Et donc mes arbres, même s'il faut longtemps pour qu'ils poussent, mes petits arbres, ça je sais vraiment pas ce que je fous avec ça. Hein? Ah, donc il faut aussi, alors, hein, puisqu'on est, on a besoin d'être fou. On va plutôt mettre ça, un truc comme ça, non hein? Ouais, un deuxième plan de smoke leaf, tiens. Allez. Encore un trou de part.
Allez, c'est bon. Alors, la pièce devient de plus en plus grande ici, bien sûr, très impressionnante. Mais il faut que ça soit bien propre, hein, bien sûr. Hop, j'ai vu un milieu s'en aller. Hop, toi. Toujours normal. Allez, on en rajoute une. Installer. T'installer ici, tiens, elle sera parfaite ici, regarde-moi ça. Oui. Ou ici, elles sont aussi très bien. Voilà. Il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a qu'une comme ça? T'avances pas un chauffe. Ouais, un peu plus vite, hein, mec. Ok, alors, désinstaller. Laisser les gens mettre leurs pattes dedans. Ok, il se passe toujours rien. Là. Allez, c'est très long à faire ça. C'est très long, il y a beaucoup de travail. À moins que vous fassiez ça en métal. Si vous faites ça en ardoise, il faut très longtemps. Mais le gros avantage, ben, comme il faut longtemps, eh bien là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte très bien. Un colon inactif. C'est qui ça? C'est Don qui devient inactif. Don, t'es devenu inactif. Ok, mec. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire? Don, tu ne peux pas faire de minage. T'as tout qui est bon et t'as tout qui est mauvais. Mais bon, c'est pas grave. Tu vas y aller petit à petit, hein, mec. Comment vais-je dire? De toute façon, ça va se libérer tout de suite. Tu vas avoir une petite place. Hein. Regarde, tu te promènes, hein, mais regarde, il va y avoir des trucs à récupérer. Là, hein. Non? Ah. Nettoyer en tout cas. Regarde. Plein de trucs à laver. Et puis après, il va falloir aller porter tout ça. Et l'installer. Ouais, plein de bons trucs, mec. Et puis après, tu vas pouvoir les roupiller aussi. Ça va être bien. Oh. C'est qui ça? Tu soignes d'équerre avec 8,72. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est parfait. En plus, tu m'as fait beaucoup mieux que Libellule, 49%. C'est bien. T'en es où, équerre? Toujours là, hein? Ben, à part d'équerre, t'es comment, toi, dans 64 secondes? Ok. Allez, je voudrais bien qu'il y ait quelqu'un qui me... Libellule, tu me fais quoi, toi? Tu te reposes. Ok, après... Et toi, Grizzly? Ah ouais, Libellule, parce qu'elle me fait d'abord des trucs. Oui, ben, elle peut... De toute façon, les murs sans ces trucs-là, ça ne me sert pas à grand-chose. Ok. Alors, ok, on est toujours bon. Hein. Parfait. Il ne se passe, mais alors, rien. Mais rien du tout. Ça a pas encore eu une seule personne dessus. Depuis un an, je crois qu'on n'a pas eu de... Pas eu un seul... On n'a jamais eu de commerçant, si je me rappelle bien. Depuis un an, on n'a pas eu un seul commerçant. C'est rare quand même de ne pas avoir un seul commerçant qui vienne nous dire bonjour. Ou peut-être on en a eu un... Non, je crois que c'est une personne ou deux qui sont venus, mais donc pas un vrai commerçant, quoi.
Je me rappelle plus trop bien, je sais plus. Bon, ça va. Regardez, comme c'est, ça fonctionne comme dans du papier, comme du papier à musique, comme on dit. Hein. Bon, je sais pas s'il y en a encore beaucoup du papier à musique actuellement, mais. Regardez-moi ça, comme ça tourne bien, quoi, c'est impressionnant. Non, tu vois pas grand-chose, hein, ma biche, là, à mon avis. J'aurais peut-être pas dû mettre ça là. Donc, on va ramener ça ici, alors, pour, comme ça tu verras plus clair. Hein. Voilà. Il y en a un qui va te donner ça tout de suite, tu vas voir, regarde, hop, ça y est. Hop, regarde ma belle, tu vois, plus clair comme ça, hein. Un colon inactif. De nouveau, Dan, tu n'as rien à foutre. Mon pauvre ami. Bon, écoutez, on va un petit peu stopper ici. Je suis désolé qu'il n'y ait pas plus de... qu'il n'y ait rien, quoi. Il se passe, mais alors, rien. Rien, 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 on est le... Bon, et pourtant j'étais... Ouais, on va stopper là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à attendre demain pour en avoir une autre. Hein? Allez, bonne soirée à tous et à toutes, pardon, d'abord, et à tous ensuite.